Et salut tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très bien. Écoutez, on se retrouve pour l'épisode numéro 131 de notre aventure sur World of Warcraft. C'est bientôt la fin les amis, c'est bientôt la fin du leveling, et oui, hein, pas trop tôt, hein, au bout d'un an et demi. Ah là, ça fait plaisir. Bon, on va tout de suite commencer les quêtes, hein, parce que pas trop de temps à perdre. Comme j'aime bien le dire, et comme bien souvent vous me reprenez dans les donjons, enfin, vous aimez bien prendre cette expression, on n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Donc c'est parti mon kiki. On va tout de suite attaquer les quêtes, histoire de ne pas perdre trop de temps, histoire de passer très vite, si vous voulez, level 90. Ah là là. Quand j'y pense, honnêtement, quand j'y pense, les amis, je me dis que... Quand j'ai lancé cette série, je pensais pas arriver, honnêtement, au level 90. Je vous le dis, hein, je voulais y croire, vraiment. Hein, je me disais, ouais, on va y arriver. Mais je me disais, ça va être super long, ça risque d'être peut-être impossible. Avec le temps qu'il faudrait, etc., etc. J'ai pas vu de youtubeur réellement le faire non plus, pour vous dire. Youtubeur français. Et bah là voilà, c'est-à-dire qu'on est 89, dans quelques épisodes, on va être level 90, level maximum dans World of Warcraft. Voilà, moi je reste quand même très 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 satisfait de cette série. Je suis en train de réfléchir à quelque chose finalement pour le level 90, je ne sais pas encore quoi. À prendre avec des pincettes, j'aimerais faire gagner le jeu complet, c'est-à-dire toutes les extensions plus Mists of Pandaria dans un jeu concours. Je pense, je vais y réfléchir calmement, je vais peut-être pas mourir tout de suite par contre, c'est un peu con. Attendez, je vais pas les bumper là, je vais pas les bumper, c'est triste, je vais me soigner un coup si je peux. Oh, ils font trop trop mal, hein. C'est un truc de fifou. Attendez, barrez-vous. Pourquoi je me suis transformé, moi? Ça sert à rien. J'ai même soigné un coup. Encore un petit coup. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je suis en train de réfléchir. Je vais voir si je peux faire gagner, pourquoi pas, World of Warcraft complet. Je pense que ça pourrait être le plus beau cadeau que je puisse offrir à un abonné. Je peux pas offrir à tout le monde, je suis désolé, hein. C'est avec mon argent personnel, qui plus est, je n'ai pas de sponsoring avec Blizzard ou quoi que ce soit. Juste un partenariat, on va dire, avec Machinima, de façon juste à monétiser mes vidéos. Donc voilà, ça serait avec mon argent personnel, l'argent que j'ai gagné plutôt avec les vidéos. Donc je pense faire ça, honnêtement je pense faire ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont suivi l'aventure World of Warcraft. Depuis le début, des gens qui forcent peut-être n'y jouent pas, c'est tout à fait probable. Je peux peut-être également, pourquoi pas, faire gagner une carte également, une carte prépayée. Ça pourrait être sympathique aussi. À voir si je fais gagner une carte prépayée ou un abonnement complet de World of Warcraft. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce qui serait le mieux, parce qu'honnêtement, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui jouent sur les serveurs privés. Moi, je suis pas sur les serveurs privés, je déteste ça. Et donc, faire gagner le jeu à ces gens-là ne serait pas forcément une bonne idée, puisque ils pourraient peut-être pas continuer à payer derrière. Alors que faire gagner une carte prépayée, ça permettrait déjà de pouvoir jouer 2 mois, hein, 60 jours, c'est une carte prépayée. Donc, c'est vrai que ça pourrait être assez sympathique pour les gens qui voudraient essayer le jeu pendant 2 mois avec un vrai compte. Voilà, ça pourrait être pas mal. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez, savoir si faire gagner World of Warcraft complet, hein, de WoW classique à World of Warcraft Burning Crusade, de World of Warcraft Mr. Pandaria. Non pas Burning Crusade, hein, parce que Burning Crusade c'est la deuxième extension. Enfin, première extension, pardon, je me suis compris. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, je réfléchis de mon côté. Dites-moi également ce que vous en pensez du vôtre. Je vais mourir. Faut que je me soigne à tout prix. Et je voulais également remercier les personnes qui viennent m'aider lors des donjons que je fais, que ce soit avec Oxor HD ou avec des autres personnages. Je remercie vraiment tous ces gens-là.
ça fait extrêmement plaisir de d'avoir ses abonnés avec soi pour se faire rusher des donjons. Faut dire ce qui est, hein, c'est du rush de donjons. Ils m'aident à aller plus vite possible dans les niveaux, dans les donjons. Et ça vraiment c'est super pratique, surtout quand on connaît par cœur le donjon, on n'a pas envie de se prendre la tête, on veut juste pex très vite pour être 90. Ça c'est vraiment cool. Donc j'ai reçu une requête d'amis. Salut, je suis un de tes abonnés, un de tes fans, et j'aimerais t'ajouter à mes contacts. Titou, ben écoute, y a pas de problème, Titou. Je t'ai ajouté, voilà. T'es passé en direct, en plus t'as de la chance, donc. Et il y a également ça que je voulais parler. Il y a également le fait que je vais monter un personnage hors 2. Eh oui, Oxor s'est enfin décidé à monter un personnage hors 2. Donc je vais pas utiliser les 90 niveaux que nous offre Blizzard avec la nouvelle extension. Je vais le monter en cours d'année, je vais le monter tranquillement. J'aurai besoin de vous hors 2. Que ce soit pour financer mon personnage, que ce soit pour me faire des rushs de donjons. J'aurai besoin de vous. Je compte sur vous pour m'aider. Parce que je connais pas du tout Liquette côté Horde. Donc c'est super important pour moi d'obtenir votre aide lorsque j'aurai des questions à vous poser. Donc je vous remercie d'avance. Je pense que ça fera plaisir à pas mal de mes abonnés qui jouent Horde de voir que Oxor s'intéresse également à la Horde. Salut, je suis en tournage. Voilà. Donc je vais m'intéresser un peu plus à la Horde. C'est vrai que avant je disais que je voulais pas m'intéresser à la Horde, j'ai pas le temps, etc. Mais c'est vrai que je vous le dis, hein, je vous le dis, ceux qui jouent avec moi le savent. Il m'arrive de jouer quand je suis au travail, c'est pas bien, je sais. Mais des fois, j'ai un tout petit peu de temps, donc ce qui me permet de pouvoir jouer tranquillement. Et je me dis que bah, pendant ce temps-là, que je peux pas faire de tournage parce que voilà, je suis au travail, pourquoi pas monter un personnage hors 2 entre quelques heures par-ci par-là, je peux peut-être y arriver. Donc, c'est quelque chose que je vais m'atteler. Je vais mettre ça assez vite, je pense. Je vais commencer d'ici quelques jours. J'aurai peut-être même déjà commencé à l'heure actuelle où vous verrez la vidéo. Je vous en dirai plus dans d'autres épisodes. Histoire de ne pas passer pour un con maintenant, si c'est pas déjà fait. Donc, après, j'ai ma petite idée. J'aimerais quand même monter un orc. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus représentatif de la Horde. Les tauren, j'aime beaucoup. Les trolls également, mais... Voilà, l'orc pour moi reste quand même le personnage emblématique de la Horde. Donc je monterai un orc, ça va de soi. Donc il faut que j'en tue pas mal hein, pour looter les trucs sur eux là. Un petit peu embêtant. Bon, je commence à tout petit peu mieux DPS. Pourtant j'ai rien looté de plus hein, honnêtement, enfin si j'ai dû changer un truc ou deux avec les validations de quêtes que j'ai eu l'autre fois. Mais honnêtement j'ai pas grand chose de plus, de mieux, quoi que ce soit quoi. Hop. Oh là là, oh là là, oh, ça va être Hollow Knight là. Ah heureusement qu'il est venu m'aider lui hein. Heureusement qu'il est venu m'aider le petit coco. Sinon j'allais y passer je pense. Je peux vous dire que j'ai assez hâte hein. Je sais que je le répète tout le temps, j'ai assez hâte d'être level 90 pour pouvoir enfin me stuffer correctement. Ça va être assez marrant je pense hein, vu que je connais absolument rien du tout au Shaman HL. Ouh. Eh ben dites-moi. Eh hey, je suis cocu moi. Je suis cocu. J'appelle ma copine. Attendez. Non non non, j'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle, je suis pas cocu. Mais là j'ai vraiment de la chance. C'est, franchement, il y a quelques épisodes en arrière, rappelez-vous, je vous disais que j'avais quasiment jamais looté de violet en world loot quoi. Et ça depuis 9 ans de World of Warcraft. Et là comme par hasard, je fais un let's play avec vous. On est au 131ème épisode, j'ai fait 131 épisodes avec vous avec Oxor HD. J'ai rien looté en violet, en world loot. Et là, j'en loot un alors qu'on va bientôt passer 90. J'ai presque envie de dire, non mais allô quoi. C'est un truc de fou. Non mais je suis bien content parce que ça, bon ça va pas se vendre super cher.
Je vais peut-être aller vendre aux enchères. Ça peut partir, ça, c'est un skin assez sympathique. Quoique c'est du 476, on a largement mieux de nos jours. Mais si ça peut faire plaisir à quelqu'un, pourquoi pas le vendre. On verra. Mais en tout cas, ça fait plaisir de looter un objet violet. Un objet épique, on appelle ça d'ailleurs. Bon, je vais valider mes petites quêtouilles. Hop. Avec mon zèbre de parrainage. Il est vraiment stylé ce zèbre. Depuis le temps que je le voulais, je pensais que c'était mort, qu'on pouvait plus l'avoir. En fait, ils ont tout refoutu ça. Ils ont refoutu le système de parrainage avec le choix de monture. C'est super, je trouve. Bonne idée. Pour une fois, c'est une bonne idée. Ah, je suis déjà honoré chez les Klaxis. Ça va très vite. Ça va super vite chez les Klaxis. En même temps, il me semble que j'ai le truc pour aller plus vite. Toi, tu peux vendre des trucs, non? Hop. Ça en vend. Ça. Maîtrise m'a dit que c'était bien, hein, mais je perds un peu tout, donc hein, je vends. Ça. Je vends. Je ferai après. Tout ce qui est vente, etc., je vendrai plus tard. Il me semble que c'est révéré hein, chez lui hein, pour acheter des trucs intéressants. Ah non, faut être 90 en plus. D'accord, ok. Comme ça, en plus, c'est fait. Je suis pas encore 90. Bientôt, mais pas encore. Est-ce qu'il m'a répondu l'abonné? Oui, il m'a posé un gros vent. Ah, désolé. Ah, pas de mal. Hop. Où je dois aller? Ok. On va aller là-bas. Parce que j'aime bien. Est-ce qu'on peut parler? Toi, on peut te parler? Non? Tu peux pas emmener? Toi, non. Emmenez-moi à Zen. Zen Vest, c'est où ça, Zen Vest? Ah, je sais plus où c'est. C'est pas grave, je vais y aller à pied. Parce que je sais pas où est-ce qu'il m'emmènerait. Je préfère ne pas prendre le risque. Je me trompe déjà d'endroit, c'est bien, super. Quoique, je vais peut-être m'arranger pour passer par là, non? On peut pas faire, peut-être par là. Oui, par là on peut, ça passe, tranquillement. Je dis ça. Marche arrière. Ouais, ça passe, ça marche arrière, ça passe tout le temps. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que cette région, quand j'y repense, c'est pas le top pour PEX. Parce que c'est plus une région de réputation finalement avec des quêtes journalières, etc. C'est pas le summum, c'est pas le top. Bon, je me suis lancé là-dedans, tant pis, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que je regrette un petit peu. T'aurais peut-être dû privilégier une autre région pour finir le PEX. Parce que là, c'est vrai que c'est des grands trajets. C'est une région qui est bien quand on est monture volante. Quand on est terrestre comme moi pour le moment, c'est pas forcément l'idéal. Vous en rendez compte, hein. Pas mal de trajets, pas mal d'ennemis à esquiver à droite et à gauche. Donc là, il faut. Ouais, d'accord, je me rappelle. Je me rappelle tranquillement de cette quête. Je vais faire tout le tour si je peux. À moins que. Je sais pas c'est quoi. Oh là là là. Moi je fonce dedans. Moi je rentre dedans, hein. J'ai pas peur. J'ai tout là gros. Oh là là là. Il s'est téléporté ou quoi lui? Ah il se téléporte, d'accord, ok. Super. M'a ralenti en plus. Bah c'est très bien. Bon, je vais me le faire parce que de toute façon faut que je les tue. Tous les gars, faut que je les tue. Cut, dis donc là. Oh là là, il est passé derrière moi. Oh, faut vraiment que je me soigne par contre là. Ça va plus du tout. Je vais encore en aggro 1 à tous les coups. Voilà, ça c'est fait. Heureusement qu'ils sont. J'allais dire un petit peu bête, mais non, il est passé derrière moi quand je castais. Donc il m'a bien eu.
Allez, soigne-toi, Oxor, soigne-toi. Allez, faut que ça passe. Ouais, c'est bon. Oh, petite quête. Une de plus. C'est bien ça en plus. Hop. Ah oui, il me semble, faut aller dans le lac. Il me semble. Ouais, faut aller dans le lac. Faut les reliques. C'est une perte de temps. Bon, je vais essayer de. Normalement, j'ai mon pote qui va m'aider. Voilà. C'est comme. Comment ils m'ont feinté les deux là. Un truc de ouf. Ils sont passés les deux dans mon dos. Faut que je me soigne assez vite. Il y a une relique jusque là. Je vais aller les ramasser. Pour ça, j'en aurai déjà un peu. Hop. Hop. Non, normalement, faut que je descende dans une cavité souterraine. Pour aller battre le chef de cette race là, et l'homme de brune. Enfin, c'est le clan, l'homme de brune. Après, quelle race de mob c'est, je sais pas. Ça ressemble à des lézards. Et moi, il me faut un peu penser aux lézards dans Spider-Man. Le professeur qui se transforme en lézard après une expérience. Je peux donjon si tu veux. Non, je donjon pas en ce moment là, désolé. Là, je me suis promis à moi-même et aux abonnés de faire que des quêtes jusqu'au level 90. Parce qu'après, il y a des donjons, on va en bouffer. Je vous raconte pas. Je pense qu'on fera tous les donjons en vidéo. Je pense qu'on les fera tous. Comme ça, c'est fait. Ça ferait en même temps une présentation. Donc, on les fera tous avec Oxor HD. Ça, c'est sûr. Attendez, je vais leur pousser un coup lui par contre. Je vais me soigner un petit coup. Ah, il a tourné autour de moi, cet enfoiré là. Ah, j'enlève pas de vie du tout au mob. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est eux qui m'enlèvent plus de vie quoi. Imaginez, ils soigneraient aussi. Je serais mort, hein, c'est sûr. Voilà. Hop. Où est-ce qu'il y a la grotte? La grotte doit être par là, je crois. Elle est là, ok. T'as un paquet de mobs, je suis obligé de quasiment tous me les faire par contre, parce que c'est vrai que là j'aggro un peu de n'importe où avec Oxor HD. En même temps, mon métier c'est aggro, hein. Je fais de l'aggro alimentaire. Non, je rigole. Je fais de l'aggro tout court. Oh là là, ils sont vraiment relous à passer derrière moi comme ça, c'est un truc pénible. Ah là, j'ai raté mon Orion. Je savais même pas qu'on pouvait rater les Orions quoi. Faut limite que je me soigne après chaque mob. Ça, c'est par contre, ça je déteste vraiment. Le fait de se soigner entre chaque mob, c'est hyper relou. J'ai l'impression que je rate tous mes coups. J'ai l'impression que. Pff, alors, il passe derrière, ça me casse le sort. Ah, c'est pénible. Ah, tiens, tu m'énerves. Va voir si j'y suis, toi. Voilà. Il y en a deux là. Si je ramasse ça, je vais aggro, c'est sûr. Voilà. Bah, c'est malheureux à dire, mais ça ressemble à un petit trou du cul, hein. Enfin, un gros trou du cul, même. Hop. On va tout caster avec lui, là. Oh là, c'est déjà terminé. Je reviens pas. Je le soigne. On est toute urgence là.
bouge de ça. Mini boss, hein, mais un peu relou quand même. Regarde ce qu'il est. On n'a pas de stuff comme moi, c'est vrai qu'on se fait un peu déboîté quand même. Bon. Hop, on a libéré notre copain. Un nouveau qu'on libère. Ils ont pas marre d'être enfermés, eux, dans tout ce qui est. Dans de l'ambre. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser par là? Ouais. La lame, je suis juste là. Ah, mais j'ai déjà ça. Bon, je la prends quand même. Il me semble que je l'ai déjà avec un autre perso. C'est des objets liés au compte BattleNet. Un peu comme ça, par exemple. Celui-là. Ça, je sais pas, non. Non. Ça, par contre, c'est lié au compte. Ah, c'est une quête, toi aussi? Bah, t'as des quêtes avec lui. Voilà. Il y a beaucoup de quêtes ici. Tant mieux, vous allez me dire. Tant mieux, il faut des quêtes, de toute façon. Parce que je commençais à me dire, attends, il n'y aura pas beaucoup de quêtes et tout dans cette région. C'est un peu la merde. En fait, si, ça va. Il y a pas mal de quêtes. Bon, ça m'arrange d'un côté. Hein. Ça m'arrange grandement. Allez, on est parti. En plus, il permet de respirer sous l'eau. Donc ça, c'est super, hein, j'allais dire. Donc là, les crocodiles sont un peu moins relous, je pense, que les autres. Ils se téléportent pas, les crocodiles. Hein. Ça reste assez con, un crocodile, faut le dire. C'est une bestiole qui existe depuis l'ère des dinosaures, qui a toujours pas vraiment évolué, il faut dire. Hein. Il y a des espèces qui évoluent pas, hein, vous allez me dire. D'accord, c'est pour qu'il bouffe un peu en fait. Il a tellement faim qu'il bouffe du crocodile. Bah, franchement, bouffer du crocodile, je pense que c'est un peu comme bouffer des couilles de taureau. Hein, ça nous rend un petit peu de plus de maturité. Ça nous rend bonhomme. Et 8. Crocodile et... Qu'est-ce que j'ai à faire ici là? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je comprends pas là. Je comprends pas. Je vais essayer encore d'en tuer. Ah d'accord, c'est l'ambre qui est là. Non, il bouffe pas du crocodile. Okay. Je pensais qu'il bouffait du crocodile en fait. Non mais sérieusement, je pensais. C'était... En fait non, c'est juste je dois les tuer en fait. Je vais lui donner de l'ambre en fait. D'accord. C'est un petit malin lui. Hop, mettre ça là, ça va être plus rapide. Hop. Faut que je me soigne, faut pas que j'oublie. On va être très très vite level 90 hein, finalement. Je m'en rends pas compte là, mais quand je vois la barre d'expérience qu'on m'a la montée depuis le début de l'épisode, je me dis que ça sent extrêmement bon le level 90 très bientôt les amis. Ah, je suis assez content. Vraiment là, je peux vous dire, dès que je suis 90, j'abandonne toutes les quêtes que j'ai. Et elle va commencer vraiment, vraiment l'aventure. La vraie aventure va commencer très très bientôt là. En gros, c'est pas qu'on a fait 130 épisodes qui sert à rien. Enfin, plus de 130 épisodes qui sert à rien. Non, loin de là. Fallait les faire, c'est obligé. Mais là, c'est enfin le moment que j'attendais le plus, c'est d'être 90 et enfin de pouvoir tâter un petit peu du haut niveau avec mon chaman. Hop, on récupère l'ambre. J'ai pas ramassage auto moi sur mon personnage ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, il me semblait avoir le ramassage automatique.
toi là. Voilà. De l'ambre. Hop, et je crois qu'il en faut encore un. Et c'est bon. Hop, non, j'ai plus qu'à donner à bouffer. Ouais, faut encore un. Encore un. Mince. Allez hop, ramasse. Hop. Je validerai les deux quêtes, hein, une fois que j'aurai fini avec les crocodiles, je validerai les deux quêtes d'un coup. Je suis quelqu'un comme ça, moi j'aime bien tout valider d'un coup, je trouve que c'est beaucoup plus. Beaucoup mieux. Quand il y a beaucoup qui m'ont reproché de ouais Oxor, pourquoi tu fais des. Tu prends pas toutes les quêtes, tu les fais toutes et tu valides toi en dernier. Bah, c'est toujours ce que j'ai fait, je vois pas pourquoi vous, il y en a qui me reprochent ça, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours joué comme ça. Et je trouve que ça va toujours aussi vite, enfin, je prends toutes les quêtes et je les valide toujours en dernier. Je comprends pas, il y en a qui pensent que je fais des allers-retours, etc. Non, c'est juste qu'il y a certaines quêtes que j'évite de faire. C'est tout. Enfin bon. Ça reste une minorité de personnes, il y en a une ou deux personnes qui doivent dire ça, c'est des personnes qui doivent même pas regarder l'épisode en entier. Voilà, on a terminé avec les crocodiles. On va y aller les quêtes. Voilà. Encore une en plus. Ok, mais elle est où ta tour là? Tu m'expliques où elle est ta tour là? Parce que pas que ça fout moi. Elle est là-bas. Très bien. On va y aller. Eh, nage vite. Nage très vite hein, dans World of Warcraft. En même temps j'ai le buff, c'est vrai. Buff très intéressant. Moi j'ai la marche sur l'eau. Eh ouais. T'as pas ça hein. Je connais pas, moi j'ai la marche sur l'eau. J'ai des bûches moi. Allez, on va tout de suite faire la quête de Corven là. On va activer sa tour. Et après je pense qu'on ira valider les quêtes. Je vais me soigner un coup. Non, tu vas pas m'attaquer toi. Non, tu m'attaques. Oh vous êtes deux carrément, vous êtes des relous en fait en gros. Hein. Des petits relous comme ça. Oh là là là, je prends cher par contre là, je prends extrêmement cher là. Allez, tue-le là parce que j'ai plus que ça à faire moi. Allez, je me soigne à fond, j'active la tour. J'ai plus de mana, c'est cool. Totem de mana, est-ce que j'en ai un? Voilà. Je crois qu'il faut que je le protège. Je suis pas sûr, mais je crois. Je dis peut-être une bêtise. Faut que je le protège. C'est bien ce que je disais. Ils sont pas un peu relous quand même ces personnages-là. Non, mais allô quoi. Toujours besoin de protection. Ils savent pas se démerder eux-mêmes. C'est un truc de dingue quand même. Bon, lui est venu un peu pour rien, j'ai rien à dire. Allez, on se dépêche, on n'est pas là pour beurrer. Oh, Oxor, tu mousse-cliques. Oh, c'est pas bien, tu sais pas jouer. J'aime bien tenter un petit peu les gars qui aiment pas les mousse-cliquaires. Ces gens-là, ben. Votre tête au fond d'une bassine d'acide, ça serait pas mal, je pense. Ça pourrait ranger les choses, je pense. Allez, encore d'autres qui arrivent. Hop, hop, et hop. Voilà, ça. Le ménage sera fait plus ou moins rapidement, je pense. Mais je vais soigner un coup, hein, si vous permettez. C'est vrai que ça serait assez utile de se soigner de temps en temps. Et voilà, c'est terminé. C'est cool, on valide. Tuer, machin. Elle est où ta truc là? Elle est dedans. Oh, bon, on va y aller. Hein, parce que je t'aime bien, Corven. Parce que je t'aime bien, on va y aller. C'est parti, mon kiki. Je pense qu'on changera de région hein, pour le prochain épisode, on verra. Mais j'ai bien envie. J'ai bien envie de changer de région. Attendez, je vais me soigner un coup, par contre. Il va dedans, carrément, comme ça, il a pas peur. C'est un fifou, lui. C'est un gros fifou. Je
J'appelle mon élémentaire parce que j'ai un peu peur de ce truc-là qui me regarde bizarrement là depuis tout à l'heure là. C'est énorme en plus quand même. Grosse bête. Oh là là, je prends cher, mes amis. J'espère qu'il y a vraiment que je crève moi, ça serait pas mal. C'est un peu le but du jeu, j'ai envie de dire. Allez, 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 mort. Non, toute cette merde qui me vient autour là, par contre. Petite saloperie là. Allez, mourez, mourez. Voilà. Plus rien, plus personne. Tous morts. Hâte critique, hâte critique, hâte. Ah ouais, carrément mieux que l'autre en plus. Voilà. Super. Je valide, les amis. T'aurais pu me prendre quand même sur ton dos, toi. Espèce d'enfoiré, là. Il aurait quand même pu me prendre sur son dos, hein. On serait allé quand même beaucoup plus vite à l'aider les quêtes. Mais non, il a préféré partir tout seul. J'aime pas ces gens-là, j'aime pas ces gens-là. 3 barres les amis. Ça veut dire que le prochain épisode, on passe. Level 90. Bon, je pense pas que j'aurais fait encore mon choix entre faire gagner un abonnement et faire gagner le jeu complet. Je pense qu'on verra ça un peu plus tard, hein, une fois que j'aurai bien réfléchi, etc., etc. Mais je peux vous dire que prochain épisode, épisode 132, il me semble, on passe. C'est quasiment sûr à 100%, niveau 90. C'est la fête. Là, c'est champagne. Les amis, apportez le champomis. Hein, ça va saigner. Oh, t'es beau, toi. Très, très beau tigre. Pourquoi je vais là, moi? Allez! Il est cotorep ou quoi, lui? Je comprends pas pourquoi il me demande d'aller là. Enfin bref. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, on va valider la quête. Hop. Ok. Ok. Ouh, c'est bien ça. Bon, bah écoutez amis. Épisode légèrement plus long que d'habitude. 30 et quelques minutes, un peu plus de 30 minutes. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour l'épisode 132, me semble, avec le PEX level 90. Enfin, le PEX. Le leveling level 180. Level 190. Le leveling 90. Je vais y arriver. Pourtant, c'est simple, hein, mais bon. C'est peut-être l'excitation, je sais pas. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. C'est le monde. Bye bye.